Meyram Obitaille, récipiendaire du prix étudiante athlète de l'année Leadership Gilden 2016-2017. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu étais surprise de recevoir ce prix-là? Absolument. Je dirais plus surtout à cause des profils qui étaient en nomination avec moi. Les quatre autres gars qui étaient là, ils ont fait des choses formidables. Puis non, je m'y attendais pas. Dis-moi, tu as remporté ce prix parce qu'avec 50 bénévoles, tu as organisé leur tournoi Serve. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi est-ce que ça consistait? Oui, absolument. Le tournoi Serve, c'est en fait la levée de fonds annuelle de l'organisme Head and Hands ou À deux mains. Ça sert à ramasser des fonds pour leur projet SENSE, qui est en fait un projet d'éducation sexuelle par les pères. Donc, c'est pour pallier aux coupures gouvernementales de 2005 qui a éradiqué du cursus scolaire les cours d'éducation sexuelle à l'école. Donc, dis-moi, qu'est-ce que ce projet-là t'a apporté personnellement d'avoir mis ça sur pied? Personnellement, c'était la première fois que je me suis souvent impliquée au cégep et tout avant, mais c'était la première fois que je connectais vraiment pour une cause. J'ai été témoin, j'ai entendu des histoires de mes amis qui étaient assez malheureuses, puis j'ai voulu m'impliquer directement pour justement changer ça. À 21 ans, c'était la première fois que j'entendais le mot consentement. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait, pourquoi j'avais pas entendu, qu'est-ce qu'il y avait un peu foiré, si on veut, dans notre système. Puis quand j'ai rencontré Fabiola, qui était la coordinatrice, puis les quatre autres filles qui étaient avec moi, j'ai vraiment accroché au projet. Puis après, ça a été une aventure de 5 mois qui nous a permis d'amasser 30 000 $ pour la cause. 30 000 $ rien de moins. Dis-moi, qu'est-ce qu'un prix de reconnaissance comme celui-là, ça représente pour toi dans ton parcours comme athlète, mais aussi comme personne? Je dirais que c'est comme un push. Ça m'encourage vraiment à continuer. J'aime ce que je fais, ça me tient allumée, puis c'est ce qui fait que mon parcours à l'université un peu était tellement plus enrichissant qu'il aurait pu l'être sans ça. Puis vraiment un prix de reconnaissance, c'est ça, ça m'aide à continuer, puis ça me dit que je suis sur la bonne voie, puis que c'est reconnu, que c'est encouragé, que ça touche des gens peut-être, ça fait que ça m'encourage. Est-ce que ça te motive à créer un autre projet de ce genre-là? Oui. J'ai beaucoup de causes sociales qui me tiennent à cœur. Je ne sais pas si je resterais dans l'éducation sexuelle. Beaucoup de projets qui viennent en tête pour la sécurité alimentaire ou pour les changements climatiques. Donc, ça serait des projets de plus grande envergure. Mais je gradue cette année, je me laisse un an l'année prochaine pour y penser et pour peut-être trouver les gens qui vont m'aider à avancer là-dedans. Puis en terminant, tu es une francophone qui étudie à l'Université McGill. Why did you choose to study language and French literature in English? Ça a vraiment été... parce que je suis censée répondre en anglais, en français. Bon, on va y aller en français. Ça a vraiment été un add-on, je dirais. J'ai commencé en arts and science, donc en écologie, en biologie et en développement international, en double majeur. J'ai eu une commotion cérébrale à ma première année. Un mois pas à l'école. Première session en anglais, c'était vraiment difficile. Puis j'avais déjà une passion en littérature, donc j'ai décidé de switcher dans le programme de français parce que ça allait être plus facile, puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je suis restée, mais je veux retourner en développement international, puis en droit, puis en relations internationales. C'est vraiment ce qui me passionne, puis ce qui m'attache. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci.